Vous avez une autre activité en plus et en sus des confitures. Expliquez-nous ça. Oui, donc l'idée, c'est que c'est une activité que j'ai décidé de faire de mon côté. En plus, c'est de proposer aux Guadeloupéens d'augmenter leur apport en protéines. Donc l'idée, c'est de leur proposer toute forme de protéines, source de protéines végétales surtout, possible. Donc là, justement, je vous propose des pois d'Angole qui sont disponibles en remplacement aux pois rouges, lentilles, etc. Voilà. Alors, quelles sont les vertus, justement, de cet aliment ? Ben justement, si vous voulez, on peut le voir comme une forme d'alicament, donc c'est-à-dire qu'il y a un côté alimentaire et un côté nutritionnel et donc lié à la santé. C'est en fait le fait d'apporter des protéines. Voilà. Et bien sûr, c'est 100% local. Oui, c'est 100% local puisque j'achète ou je récolte chez les producteurs locaux. Alors, on rappelle les coordonnées, le nom de la société. Oui, donc du coup, c'est les céréales du Petit Crabe. Et donc, je suis disponible sur Instagram au nom des céréales du Petit Crabe. Et vous pouvez m'appeler au 06 90 54 64 74.